Alléluia, paix et joie. Nous sommes réunis en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, une joie pour moi en ce matin de conduire ce temps d'adoration, ce temps d'action de grâce envers notre Dieu qui a bien voulu nous réveiller ce matin. Il convient de lui dire merci pour le souffle de vie renouvelé. Amen. Aujourd'hui, la page d'Évangile nous parle d'un lépreux qui supplia Jésus et qui tomba à ses genoux pour lui dire « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Et à Jésus de lui répondre saisi de compassion en le touchant « Je le veux, sois purifié. » Et l'Évangile nous relate qu'aussitôt, il fut guéri de sa lèpre. Alléluia! Alléluia! Quelle joie pour celui qui a été guéri! Quelle joie pour nous aujourd'hui de savoir que nous sommes des privilégiés, car c'est celui-même qui a guéri ce lépreux qui vit en nous. Alléluia! Et vu qu'il vit en nous, il peut faire plus que ce qu'il a fait pour ce lépreux. Nous purifier, nous guérir de cette lèpre qui nous fatigue. Alléluia! C'est pourquoi en ce matin, nous allons venir vers lui, humblement comme ce lépreux, nous jeter face contre terre et lui demander, Seigneur, purifie-moi. Guéris-moi de ma lèpre. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que d'éclat. C'est cette prière que nous voulons faire en ce matin à notre Dieu, afin qu'il puisse nous épurer par le feu. C'est dur, certes, mais le résultat est éclatant. Le résultat est glorieux. Le résultat, c'est ce que veut le Seigneur. Alléluia. Et c'est cette démarche que nous voulons
faire aujourd'hui, ce pas que nous voulons faire aujourd'hui, même si le changement est difficile, avec le Seigneur c'est possible. Il nous tend la main et il veut nous faire entrer dans sa gloire. Car bien-aimé, il a dit, si l'on est ainsi du bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Si lui-même, il a été crucifié, et pendant 3 jours, il était dans le tombeau, mais qu'après, il est ressuscité. Alléluia! Ça veut dire que les épreuves ne sont rien comparées à la gloire à laquelle il nous appelle. C'est pourquoi ce chant doit être une prière aujourd'hui pour toi. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint. Purifie-moi, je veux éclater de gloire. Je veux impacter ma génération. Je veux être un autre Christ dans cette nation qui est bouleversée par tout ce qui est cruauté, méchanceté. Alléluia. Seigneur, prends-moi, mets-moi à part, purifie-moi, façonne-moi, afin que je puisse être toi, là où tu m'as semé. C'est ce que veut dire le refrain. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Moi, je décide d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir. On va le reprendre ensemble. Feu du fondeur, alléluia. Moi je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, tu m'as mis à part. Moi je décide aujourd'hui d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître et Seigneur, et prêt à t'obéir. On va le reprendre ensemble. Feu du fondeur, moi je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint comme toi, d'être saint, pour toi, Seigneur. Moi, je choisis aujourd'hui d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, et prêt à t'obéir, faire ta volonté, et prêt à t'obéir. Suivre tes chemins, je veux t'obéir, Seigneur. Je suis prêt en ce jour à faire ce que tu veux de moi. Je me dispose à toi, purifie-moi et utilise-moi. Je suis prêt à t'obéir, mon Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Oui, je suis prêt à t'obéir. Alléluia, bien-aimé. Nous sommes prêts à obéir au Seigneur. Que sa volonté soit faite en cette journée. Que sa puissance se manifeste quand nous sommes faibles aujourd'hui. Que le Seigneur puisse s'élever lorsque nous nous abaissons. Qu'il vienne prendre le dessus de nos vies, qu'il vienne siéger à sa place dans nos vies. C'est notre prière en ce jour. Et que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche de sainteté. Alléluia.
car lui, il est le Dieu trois fois saint. Alléluia. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Qu'il nous bénisse, bénisse nos activités et nous guide tout au long de cette journée. Alléluia.